Ça va toujours? Toujours. Bon, très bien. Toujours une bonne journée? Toujours. Parfait. Donc, là, si je te dis qu'on a vu le pire film 2023, t'es d'accord avec moi ou pas? Non. Ah, bon. Je vais en blesser quelques-uns, mais pour moi, le pire film de 2023, c'est Barbie. Bon, je l'ai pas vu, ceci dit, mais c'est Ah, bon, pire. d'accord. Bon. Rien que le nom et la couleur. Alors, de Voilà. quoi parlons-nous aujourd'hui? Winnie the Pooh. Oui. Blue Danone. D'accord. Donc, Qui veut dire Winnie l'ourson, sang et miel. voilà, c'est 2023. C'est quel genre? C'est un slasher horreur. Très bien. 1h40 et 16 et plus. Très bien. Donc, un petit point sur la situation. En 2022, Winnie l'ourson s'est tombé dans le domaine public. Et donc, n'importe qui peut désormais prendre Winnie l'ourson et en faire ce qu'il veut, des livres, des films, des t-shirts, etc., etc. Et là, il y a un petit malin qui le savait. Et il a été aux aguets. Donc, le jour où c'est tombé dans le domaine public, il a récupéré le truc. Et donc, avec un budget de 18... Bah, il est amateur, hein. Oui. Voilà. Et avec un budget de 18 millions de dollars, ce qui est rien, hein. Voilà. Il a quand même réussi à faire le buzz sur ce film-là. Donc, toi, tu l'as vu depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu m'en parles. Ah oui, que je vois l'affiche défilée, Oui. que je vois le résumé, la bande-annonce. Ah, bah Oui. bien sûr que ça fait longtemps. Voilà. Donc, J'avais trop envie de le voir. une grande qualité, ça a été son buzz. Il a réussi à fédérer une communauté qui était avide de voir ce film, qui est sorti, je crois, de mémoire, le 23 mai de Ouais, cette année, sorti en mai, 2023. ouais. Et nous, on a mis la main dessus. J'ai envie de dire malheureusement, mais on l'a vu. Très bien. C'est réalisé par qui? C'est réalisé par Rhys Freek Waterfield. Très bien. Est-il connu dans C'est donc le... son premier film. Oui. Est-il connu? Bah non, du coup. Très bien. Est-ce que les acteurs sont un peu plus connus ou Oui, pas du on tout? a Nicolas Léon, qui lui joue dans Alien Invasion. Je pense que c'est l'enfant. Voilà. Très bien. Craig David Dowsett, alors lui c'est lui qui fait Winnie, et Chris Cordell qui fait Porcinet. Alors, accrochez-vous, le pitch. C'est tout simple. Nous allons suivre Nicolai Léon, donc l'acteur qui est Jean-Christophe, qui est un petit garçon et qui va se faire copain avec Winnie l'ourson et ses amis, Porcinet, Tigrou, tout ça. Sauf que ils vont prendre vie. Et le petit garçon va grandir et va partir à l'université, faire sa vie, quoi. Il va les laisser tout seuls. Et bien évidemment, ils ont grandi eux aussi et ils vont devoir se débrouiller dans la forêt tout seuls. Ça va mal finir. On peut aller un peu On plus peut aller loin. plus loin. Jean-Christophe, adulte, revient. Il est Bah, médecin. attends, Il revient attends. avec sa copine, oui. Oui, non, c'est surtout que Winnie l'ourson et toute sa Il clique. mange. La famine arrive, l'hiver arrive, ils sont morts de faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils découpent Allez, Porcinet. bourriquet. Bourriquet, pardon. Bourriquet, c'est l'âne, c'est ça? Oui. Voilà, et ils mangent. Et le fait d'avoir tué pour survivre et d'avoir mangé leurs potes, bah, ils vont tous vriller. Voilà, soif Voilà. de sang. 5 ans plus tard, Jean-Christophe fait son retour. Voilà. On va s'arrêter Voilà. là. Ton ressenti, s'il te plaît, ou ton analyse, ou ce que tu veux. Moi, j'ai aimé. Ah ouais. Pourquoi pas aimer? Parce qu'en fait, moi, je savais déjà très bien à quoi m'attendre. Je le Très, savais. très bien, oui. Voilà, c'est du gore, en fait. Oui. Donc, si tu veux du gore, tu regardes un film de gore. Maintenant, si tu veux un film de science-fiction, tu regardes la science-fiction. Alors, Là, on part dans du gore. Donc, celui qui n'aime pas, il regarde pas. attention, on fait bien la distinction entre film d'horreur et film gore, hein. Voilà, Pour pour moi, nous, c'est c'est pas de bien. l'horreur, ça. Oui, on est d'accord. Non, Très voilà, bien. l'horreur, c'est plus du paranormal, c'est plus. Tu vois ce que c'est, un peu l'horreur. Non, C'est pour moi, pas c'est du pas tout ce qu'on a. d'horreur. Donc, ton ressenti. Ah, moi, j'ai grave aimé. Ah, j'ai grave aimé. Autant comment les effets sont faits, les masques, je sais pas si c'est des masques ou si c'est. Tu Oui, vois, c'est des le masques. Winnie l'ourson, il est trop classe, j'ai trop aimé. À un moment, tu te dis, ouais, il bave. Non, c'est du miel, en fait. Après, il tue, ok, pour le plaisir, plus pour se nourrir. Et c'est trop bien, les scènes, elles sont bien faites, t'as bien des détails. On avait fait une vidéo où ça parlait un peu gore, mais ça mêlait religion. Et c'est pour ça que j'avais pas aimé, attention. Moi, sinon, le gore, ça me dérange pas du tout. Voilà, le gore, l'horreur et tout ça, moi, j'aime bien, généralement. Et ça, c'est un film où t'as pas besoin de réfléchir. Tu te poses pas de questions, c'est qui tue, pourquoi il tue. T'as la moitié des Ouais. filles qui vont mourir qui sont cucu à 80%. T'as limite envie qu'elles meurent, en fait. Donc, t'es satisfait. Voilà, t'es satisfait. Et le pire, enfin, le mieux dans tout ça, c'est qu'il y a un 2.
Bref, moi je peux que le conseiller aux amateurs du genre. Donc, bon, il n'y a rien qui va. L'intrigue, Il zéro. n'y en a pas. C'est, ben Il n'y en a voilà, pas. exactement. Ben voilà, donc tu peux pas dire qu'elle est pétée parce qu'il n'y en a Les pas. acteurs minables, avec des clichés. Arrivé à un moment, on rigolait plus que l'angoisse. Il y a plus de rire que d'angoisse. Mais c'est Bon, bien, ça fait peut-être partie du truc. ça fait du bien de voir des films comme ça. L'esthétique, oh, mais dégueulasse. Bon, c'est 18 millions de dollars, en même temps, on va pas lui demander de faire du Avatar. Puis l'ennui, en fait. Voilà. Ennuyeux, au possible. Et le pire, c'est qu'il y en a un deuxième. De mieux, tu veux dire, parce que tu vas le regarder avec moi. Malheureusement. Voilà. Non, bah moi je le conseille vraiment à personne. J'ai rarement vu un film aussi mal noté dans l'histoire du cinéma. Moi je le conseille pas du tout. Voilà, j'ai plus pas grand-chose à dire de plus. Voilà, bah c'est une vidéo très courte, quoique, 9 minutes. On conseille. Très bien. Bon, eh bien merci. Et bon Merci à courage vous, hein, hein. si vous regardez Winnie Winnie the l'ourson. Pooh. Allez, au revoir.